Alors, bonjour tout le monde. On est très ravis aujourd'hui de démarrer ce webinaire autour des activités en lien avec la mise en réseau et la recherche des partenaires dans le cadre des projets européens. On est très ravis aujourd'hui de continuer la collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie. Avec nous, nos chers invités panélistes, professeur Olfa Zribi, la directrice régionale de l'AEF Europe occidentale, et professeur Khaled Ben Khalifa, maître de conférence à l'université de Sousse en Tunisie et également membre de sa cellule de l'ingénierie de projet. Donc aujourd'hui, on va échanger autour des possibilités de mise en réseau. Autour des possibilités offertes par l'AEF, par le réseau EurAccess et également par les plateformes européennes. Comme vous le saviez tous, la mise en réseau joue un rôle crucial dans le cadre des projets européens. Elle permet la collaboration internationale, l'échange des connaissances, l'accès au financement, l'élargissement de l'impact, le renforcement de compétences, la résolution des problèmes complexes et également le lobbying. La mise en réseau est un élément fondamental, un élément clé qui permet de maximiser l'impact et la réussite des projets financés. Donc, et c'est dans ce cadre-là qu'on est en train d'organiser ce webinaire. Donc, bienvenue à tous les participants. Je vais enchaîner tout d'abord une petite présentation sur le réseau EurAccess aussi, les possibilités de mise en réseau dans EurAccess. Puis on passe à professeur Madame Olfa Zribi Ben Slimane. Et puis on va passer à la troisième présentation par notre cher collègue professeur Khaled Ben Khalifa. Alors permettez-moi de partager mon écran. Et puis voilà, donc il y a une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Vous pouvez poser n'importe quelle question autour de possibilités de mise en réseau. Voilà. Alors. J'espère que vous voyez déjà mon écran. Est-ce que c'est bon? Parfait. Alors, là, je vais commencer par présenter le réseau EurAccess. Puis, commençons par le réseau EurAccess Worldwide. Tout d'abord, le réseau est une initiative de la Commission européenne créée pour permettre un libre accès aux informations sur la recherche en Europe, les possibilités de financement de la recherche, la collaboration internationale et la mobilité transnationale. Et il relie les chercheurs du monde entier à l'Europe. En outre, le réseau est ouvert à toutes les nationalités et à tous les domaines de recherche. Alors, comme vous voyez ici, c'est la carte mondiale du réseau EurAccess. Donc, il y a 9 hubs dans le monde entier et il y a le dernier hub qui a été lancé en 2022, c'est le hub de l'Afrique. Alors, les missions d'EurAccess Afrique, tout d'abord la gestion et le développement du réseau EurAccess, le soutien aux chercheurs africains à travers les conseils et l'assistance, le soutien au développement de la carrière des chercheurs africains qui travaillent déjà en Europe. Trois, la promotion ou bien promouvoir les opportunités de recherche européenne en Afrique. Et quatre, le renforcement de la mise en réseau avec l'ensemble des acteurs africains, recherche et innovation. Alors, comme vous voyez ici, c'est la plateforme EurAccess et il y a comme vous voyez ici dans le menu, il y a le menu Worldwide et dans le Worldwide, il y a les 9 hubs et vous pouvez cliquer sur le hub Afrique et s'il vous plaît, essayez de s'enregistrer à travers ce bouton-là. C'est gratuit et à partir du moment que vous êtes déjà inscrit, vous allez recevoir en temps réel et toutes les opportunités, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes d'opportunités de travail, que ce soit en termes de financement, de mise en réseau et plus encore. Ici, quelques photos de quelques activités déjà.
qui ont été organisées. Ce sont des événements face-to-face, donc en présentiel, qu'on voit ici en Maroc, au Kenya, en Afrique du Sud, en Égypte, ici en Égypte, à Kigali, Rwanda, Nairobi, Kenya, Éthiopie, Addis Ababa, ici, la capitale de l'Éthiopie. Ici, une petite tournée en Afrique du Sud à travers plusieurs universités. Il y a des sessions d'information et des workshops pratiques en lien avec le montage de projets dans le cadre d'Horizon Europe, spécialement dans le pilier 1 et le pilier 2. Ici, de même, comme vous voyez, donc, il y en a plein d'activités en lien avec le réseau All Access en Afrique. Et puis, on est en train de préparer des événements en ligne qui sont gratuits, vous pouvez participer à tout moment. Les événements sont accessibles à tout le monde, accessibles à tous les chercheurs africains, à tous les acteurs dans le monde de recherche et innovation. Alors, comment on peut travailler ensemble? Vous pouvez nous inviter à tout moment si vous avez des événements scientifiques, des événements dans vos écoles, dans vos universités, dans vos écoles doctorales. S'il y a un petit événement, vous pouvez également nous inviter pour faire part à cet événement, pour présenter qu'est-ce qu'on est en termes d'opportunités offertes à vous. Si vous avez aussi des requêtes concernant donc, la mise en réseau, des requêtes concernant la participation au projet Horizon Europe, que ce soit dans le pilier 1 ou le pilier 2, vous pouvez bien évidemment nous envoyer ça à travers les requêtes et bien sûr, je vais vous donner le contact. Alors, les outils qu'on utilise généralement, c'est le site web, les médias sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, on est partout. Donc, toutes les actualités sont là, toutes les mises à jour aussi sont là. Il y a les flash notes, il y a les newsletters. On fait des sessions d'information et on fait des workshops pratiques. Alors, dans le site Euro Access, si vous allez jeter un coup d'œil sur les sites, vous allez voir qu'il y a chaque jour une, deux, trois nouvelles opportunités ouvertes aux étudiants déjà inscrits en thèse, aux doctorants, offertes aussi aux enseignants-chercheurs, offertes aussi à tous les fonctionnaires dans les acteurs clés dans le domaine de recherche et innovation. De même pour les événements, vous pouvez y participer. S'il y a des événements déjà qui ont été organisés, vous pouvez cliquer dedans, voir les enregistrements vidéo et télécharger bien évidemment tous les slides, car ils sont accessibles et gratuitement. Voilà, pour le portail Euro Access. Le portail Euro Access, à peu près 2 millions de visiteurs par année. Et il y a énormément de choses à voir dans le portail. Donc, commençons par, bien sûr, le World Wide, mais aussi, il y a une possibilité de recherche de partenaires, de jobs aussi. Comme vous voyez ici, à ce jour, il y a plus de 10 000 déjà offres de travail en Europe à travers les projets, à travers les organisations qui sont implantées un peu partout en Europe. Et il y a ce tableau-là qui est très important, très important. Vous pouvez rechercher des membres, mais aussi vous pouvez chercher des organisations. Si vous êtes en train de chercher des partenaires dans une optique de mettre en place un consortium pour soumettre un projet dans le cadre d'Horizon Europe, n'hésitez pas aussi à visiter la plateforme Access, parce que tout d'abord, vous pouvez gratuitement avoir les contacts d'énormément d'organisations en Europe. Je vais vous montrer une petite présentation de quelques secondes comment faire ça. De même pour les membres, vous pouvez chercher aussi des chercheurs et des profils clés qui sont très utiles dans le cadre du projet. Comme vous voyez ici, on a plusieurs filtres et on a plus de 22 000 déjà organisations inscrites déjà dans la plateforme Open Access. Et vous pouvez chercher à travers les keywords, les mots-clés. Vous pouvez cliquer sur le type de l'organisation, le pays d'où elle vient, d'où elle est implantée cette organisation-là et quel type de collaboration
Et ensuite, vous allez voir les recherches, cliquez dedans, voir le lien, le site web, le contact, et vous pouvez entrer en contact, bien évidemment, à travers la plateforme Access. Voilà. Donc, c'est gratuit, vous pouvez nous joindre à tout moment, mais il faut être proactif parce que si vous voulez avoir et saisir une opportunité, il faut être proactif, il faut être connecté, il faut suivre, il faut voir, surveiller toutes les opportunités qui sont là. On est partout, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre email africa@euraccess.net, c'est l'email principal. Il y a une équipe derrière. Ils travaillent dans Euraccess Afrique, certainement. Nous allons prendre soin de toute requête déjà reçue. Alors, je finis ma présentation sans s'attarder beaucoup. Je passe la parole à notre chère invitée, professeure Olfa Zeribi. C'est la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie en Europe occidentale. Professeur Olfa, je vous passe la parole et merci encore une fois pour cette merveilleuse collaboration. Merci beaucoup Ahmed, merci à Euraccess Africa d'associer l'Agence universitaire de la francophonie. Merci au professeur Khaled Ben Khalifa d'être présent avec nous aujourd'hui parce que ses connaissances approfondies de ces plateformes sont d'un atout extrêmement précieux. Je ne pense pas pouvoir apporter davantage, mais ce que je vais essayer de présenter est quelque chose de peut-être, je dirais peut-être un peu assez complémentaire et qui permettrait peut-être de se préparer en amont de façon à pouvoir bénéficier de toutes ces opportunités de développement de projet. Donc, j'aimerais quand même donner une précision, c'est que et je vous en remercie, Ahmed, parce que la communauté que vous structurez à travers votre prise de fonction sur Euraccess est une communauté qui est extrêmement importante parce qu'elle permet de partager de l'information qui est très précieuse et pour avoir occupé certains postes à un certain moment où l'on voyait que l'information n'était pas connue de tous, n'était pas partagée, n'était pas accessible. La valeur ajoutée que vous apportez dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation est extrêmement précieuse. Et encore merci de nous associer et d'associer l'AUF à cette valeur ajoutée. C'est extrêmement important pour nous. Dans cette perspective, peut-être j'aimerais, et je me dis avec peut-être humilité et modestie, que si vous avez contacter aussi l'AUF pour collaborer, c'est que l'AUF, pour rappel, est la plus grande université, oui, bon, ça n'est pas une université, mais c'est la plus grande agence universitaire qui, justement, permet de regrouper environ 1 000 universités et de les mettre en réseau dans 120 pays. Ce qui est extrêmement non négligeable du fait de l'ampleur et de l'envergure que cela peut représenter en termes de développement. Donc, notre savoir-faire sur les questions de mise en réseau, 2 secondes, hein, 2 secondes, j'ai un bruit de fond, 2 secondes. Aman, 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 je parle, je fais un discours sacroubé, Baman. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Oui, Vous m'entendez très bien. bien? Ce potentiel-là de développement de 1 000 universités et qui sont regroupées à travers les 120 pays, évidemment, on peut se demander, mais pourquoi, en quoi c'est pertinent que ce soit une implantation aussi importante. En fait, c'est la possibilité d'avoir notre connaissance de proximité dans le cadre de ce réseau qui fait que nous pouvons développer des liens particuliers avec ces universités. Tout cela est supporté en termes d'implantation régionale avec une gouvernance importante, une dizaine de directions
de direction et de bureaux d'implantation qui, justement, ont le rôle de véhiculer et de capitaliser et de donner de la performance à ce type de relation pour qu'ils bénéficient de nos instruments, des différents instruments qui sont ceux associés et qui sont ceux qui sont déployés par l'AUF. Alors, j'aimerais justement parler de ces instruments. J'ai effectivement dit à Ahmed que je n'allais pas beaucoup parler, justement pour vous laisser donner la possibilité de répondre à toutes les questions qui seraient pertinentes et que vous poseriez pour pouvoir mieux comprendre nos instruments et mieux comprendre comment est-ce que la fréquence des lancements de ces instruments, pourquoi nous mettons en place des fonds compétitifs, quel est l'objet, quelle est la motivation, quelle est la finalité de ces fonds, etc. Donc, j'aimerais juste parler de deux instruments, parce que, bon, évidemment, l'AUF, du fait de ses implantations et de ses 10 directions régionales, génère énormément d'appels d'offres, d'appels à fond, au point qu'on peut se perdre dans ces différents appels à fond compétitifs. Mais seulement, il faut savoir que la direction qui, d'une certaine façon, est à l'origine et génère les fonds qui ont de la pertinence pour accéder aux fonds européens, c'est cette direction qui se trouve à Bruxelles et qui fait une veille permanente et de l'accompagnement sur l'accès à ces fonds compétitifs européens dans le cadre de partenariats. Les instruments que nous mettons en amont dans ces appels sont les suivants. Nous avons deux instruments qui sont collectifs et intensifs, et en particulier intensifs, qui est une intensification pour se donner la possibilité, c'est une sorte de fonds d'incubation qui donne la possibilité à des collègues qui se situent en Europe et en Afrique de se mettre ensemble, de se regrouper et de rédiger des projets, en tout cas de se donner le temps de co-développer, de co-construire un projet pour pouvoir le positionner sur ses, et le soumettre sur ses plateformes et se positionner pour pouvoir arriver à décrocher ces fonds. Comme pour vous donner une idée de ces fonds, alors je ne sais pas si Ahmed, tu peux, si c'est possible de partager sur le chat ou le lien, les liens d'appel d'offres qui concernent intensifs et collectifs, qui sont nos instruments phares pour pouvoir développer. Ce sont des fonds d'amorçage, hein, des fonds d'incubation de projet. C'est-à-dire que vous avez une idée de projet, vous avez des collaborateurs, vous souhaitez chercher des collaborations, vous avez anticipé et constaté qu'il y avait une opportunité et que cela concerne bien vos thèmes de recherche sur telle thématique et vous souhaitez soumissionner. C'est le fonds qu'il vous faut pour pouvoir prendre le temps pendant près de 18 mois de co-construire avec vos partenaires d'Europe vos projets, si votre projet, si c'est le cas. Pour vous donner à titre d'exemple, et parce qu'à un moment donné, il faut parler des succès, et que depuis maintenant, nous sommes à la troisième édition de Intensif, nous avons eu près de 50 partenaires qui se sont mis en réseau, dont certains n'étaient pas pratiquement jamais, de nouveaux entrants, des écoles d'ingénieurs, des universités qui jusque-là n'avaient jamais pensé, même avoir eu l'idée de penser soumissionner sur ces appels, pensant que c'était trop compliqué, ne s'étaient pas suffisamment préparés en amont, et ont constaté que finalement c'était quelque chose de faisable. Nous avons levé en fait une barrière à l'obstacle phénoménale avec ce fonds-là, en se donnant la possibilité qu'il y ait dans ce co-développement, de l'apprentissage réciproque dans la connaissance de ces instruments. Nous avons jusque-là réussi à monter, alors je parle d'une session, 10 consortiums et 12 pays se sont rassemblés et 50 partenaires universitaires mis bout à bout se sont connectés. À partir de là, nous avons eu un certain nombre de succès. Ces succès, quels sont-ils? Avec l'appui de tout le dispositif d'accompagnement à de l'expertise qui sont soit financées par l'AUF, soit financées par les cellules de montage de projets des universités.
par des contributions, nous avons été en mesure de réaliser, de faire en sorte que ces universités puissent obtenir des fonds et répondre à des appels d'offres. Nous avons en particulier un succès très extrêmement intéressant grâce à ce fonds-là, qui ne représente pas grand-chose, encore une fois, comme je vous dis, ça oscille entre 15 000 et 20 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 30 000 en fonction de l'envergure du col qui est demandé. Par exemple, un centre de recherche dans un consortium universitaire avec de nombreuses universités, de nombreux chercheurs en Afrique qui ont levé un fonds de 6 millions d'euros dans un col qui est dédié sur la composante UEUA dans l'initiative Afrique. Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple de… Alors, vous avez des fonds qui sont beaucoup moins importants, qui sont autour de 500K, je crois, et ce sont des Erasmus, mais c'est très intéressant parce que cela leur a permis, nous avons eu, je pense, 4 Erasmus qui ont levé des fonds grâce justement à ce fonds d'incubation qui a permis cette mise en réseau. Voilà, mais là, nous sommes, toute notre équipe, et Ahmed nous connaît bien, est notre interlocuteur privilégié pour ces questions de mise en réseau, est à votre disposition pour vous informer davantage sur ces appels, leur fréquence, leur taux de succès, la capacité qu'il y a, et puis peut-être, je crois qu'il y a une plaquette sur aussi notre réseau, sur un lien et une plaquette qui nous donne un état des lieux, une plaquette sur intensif et collectif qui permettent de montrer un peu quel type de consortium, quel type de thématique, quel type de succès, quel type d'impact on peut générer. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un exemple factuel avec des chiffres à la clé de mise en réseau, des cas vraiment très concrets et le potentiel qu'a l'AUF de pouvoir faire ces mises en réseau. Je pense que je peux laisser de l'espace. Je ne sais pas, Ahmed, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Dites-moi combien de temps il me reste dans l'intervention. Non, ça va. On a encore le temps pour 2-3 minutes encore pour passer à notre collègue. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire, peut-être, là aussi dans les témoignages, ce qui ressort de cette capacité de mobiliser des chercheurs et des universités dans la coopération, dans le milieu académique et universitaire, à travers ces financements. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont présentes, et je sais que par définition, si elles sont là, c'est parce qu'elles sont intéressées par la mise en réseau, donc nous n'avons pas besoin de les convaincre pour la mise en réseau. Mais on sait qu'il est bénéfique de s'engager dans les réseaux pour promouvoir cette coopération internationale dans le milieu académique. Mais j'aimerais pouvoir dire les retours sur expérience des différents collaborateurs, des différents collègues qui sont scientifiques, des chercheurs, ou bien des personnes qui étaient très intéressées par mettre en place de l'innovation pédagogique, ou bien les thématiques sont très variées. Hein. Je n'ai pas aussi évoqué la question des thématiques puisque vous trouverez toutes ces informations sur les plaquettes. Mais j'aimerais dire ce qui ressort, et j'ai essayé de capitaliser, enfin de recenser, de faire un recensement systématique de ce qui ressort et du bénéfice qui est associé à cette mise en réseau à travers ces projets. Ce qu'il ressort du fait de les avoir questionnés sur cette mise en réseau, tout d'abord, un grand intérêt au fait qu'il y a eu une véritable co-construction, un véritable co-développement. Ce sont des partenaires qui ne se sont pas trouvés dans une situation de sous-traitance de la recherche, mais ils étaient même parfois à l'origine de l'idée même de la recherche, venant du Sud. Vous savez, selon laquelle il y a l'ancienne... Bon, je suis désolée, j'ai des appels en même temps apparemment, mais mon équipe ne sait pas que je suis dans un webinaire avec vous. Donc, excusez-moi si vous avez entendu un son déplacé. Donc, vous avez de l'échange de connaissances et d'expertise. Ça, c'est quelque chose qui ressort fondamentalement de cette rencontre, qu'il y a un environnement d'apprentissage mutuel qui se construit et qui fait où chacun peut bénéficier des expertises des uns et des autres. Les uns sur des contenus, les autres sur des méthodologies, les autres sur des pratiques de développement, les autres sur les facteurs de succès qui vont permettre d'accéder à ces fonds, etc. etc. Donc ça,
Ça, c'est un point indéniable qui est que les personnes se mettent dans une condition, des conditions très équilibrées d'accès à ces savoirs. Le deuxième point aussi qui ressort de ces expériences, c'est l'accès à des ressources internationales. C'est que ces réseaux académiques, quand ils se mettent en place, ils donnent la possibilité ils offrent un espace dans lequel on peut puiser des ressources de laboratoires, de bases de données, d'opportunités de ces financements, d'équipements spécialisés sur des infrastructures, le cas échéant. Et tout cela, il y a parfois ces connaissances-là, elles sont encastrées dans des territoires et elles sont disponibles sur ces territoires-là. Et elle donne cette possibilité à des chercheurs qui seraient d'ailleurs du Nord de pouvoir accéder à des informations et réciproquement. Voilà, je pense que, évidemment, je vous épargne toutes. Pour moi, ce sont les deux éléments importants qui ressortent, mais vous avez aussi l'amélioration de la qualité de recherche, puisqu'on a vu que, comme vous le savez tous, je pense, tous ceux qui sont là et qui ont eu accès, lorsque vous entrez dans des consortiums de ces capacités-là, des consortiums européens ou en tout cas dans un cadre de coopération internationale, dans un cadre multilatéral, vous multipliez par 5 vos potentiels de visibilité à l'échelle internationale dans les rankings, dans les différents classements. Et donc là, ça reste appréciable. Cela signifie que vous pouvez faire monter en puissance la qualité de votre recherche et faire monter en puissance les opportunités de publication et de visibilité que vous auriez en travaillant avec des chercheurs internationaux et de faciliter la publication de renommée internationale. Voilà, évidemment. Et enfin, Ahmed, et j'ai fini avec ça, les dérivés de tout cela sont le fait que vous pouvez aussi dégager à partir de ces consortiums, de ces réseaux, de la mobilité académique. Parce que tout le monde sait que sans mobilité, parfois, il est bien de faire de la mobilité à distance, mais aussi, si nous ne mettons pas en place ces programmes d'échange ou de stage ou de conférences internationales à travers ces consortiums, on passe à côté d'une expérience personnelle qui peut être une expérience très riche et que tout ce développement personnel et professionnel puisse avoir lieu. Enfin, et je ne peux pas dire un mot, il y a la réponse évidemment aux défis mondiaux, mais notre sujet de cœur et notre sujet important, c'est la diplomatie scientifique. À l'AUF, à l'Agence universitaire de la francophonie, développe un axe de diplomatie scientifique et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous les savoirs scientifiques et nous devons pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réelle diplomatie scientifique à l'échelle de l'espace francophone et que la coopération internationale en milieu académique peut contribuer aux relations, à des relations diplomatiques entre les pays, évidemment, mais qu'elle crée des liens positifs et elle crée des liens surtout qui permettront la compréhension mutuelle et la collaboration scientifique sur des bases, sur la base de ces relations-là. Et c'est vous qui détenez les contenus et les savoirs. Et encore une fois, merci et encore une fois, comme je vous l'avais dit, nous sommes à votre disposition, totalement, et toute mon équipe, pour faire avancer et faire progresser ces échanges à l'échelle internationale. Merci. Merci beaucoup, merci énormément, Madame Olfa, pour tous ces mots, c'est vrai, l'importance de la mise en réseau, elle est cruciale. Et donc, je pense que l'AEF, elle propose beaucoup de mécanismes très importants et cruciaux. Et moi-même, j'ai bien profité de ça en tant que chercheur avant tout, à mon université également. Donc, on a soumis des projets dans le cadre de l'AEF. Ces projets, par la suite, nous ont permis de se mettre en réseau pour pouvoir aller encore plus loin vers les projets dans le cadre de H2020 avant et maintenant dans le cadre d'Horizon Europe. Donc, on va peut-être laisser des questions à la fin de ce webinaire pour voir les possibilités concrètement, comment à partir, je suis un chercheur, un universitaire, un peu dans une université en Afrique ou bien ailleurs, je suis en train de
de voir les possibilités de mise en réseau afin de monter un projet, comment faire et comment se trouver la bonne adresse et on va dire utiliser les outils qui sont déjà à la disposition. Donc, sans s'attarder, on passe maintenant à la présentation pratique de notre cher collègue professeur Khaled Ben Khalifa, maître de conférence à l'Université de Sousse. Donc, professeur Khaled, je vous laisse donc le soin de continuer le webinaire et nous faire plus ou moins une partie pratique. Merci, cher Ahmed, de m'avoir donné en fait l'opportunité de participer dans vos actions. Aujourd'hui, donc, on va essayer de faciliter la tâche des chercheurs qui veulent essentiellement s'engager ou participer dans un projet, que ce soit on cherche un partenaire ou on a ciblé un partenaire ou on aimerait bien en fait commencer à rédiger un projet dans les normes. Voilà, on va commencer, partager. Donc voilà, j'ai essayé en fait de donner un nom, un intitulé à cette présentation. J'ai appelé ça démonstration et utilisation des plateformes européennes dans le cadre, bien sûr, de la recherche d'un partenaire ou la mise en réseau. Donc, je me présente, je suis maître de conférence à l'Université Sousse, je suis chercheur dans le domaine des systèmes embarqués de l'IoT. Je travaille dans le domaine médical à la faculté de médecine de Monastir et actuellement, je suis membre de la cellule PMO de l'Université Sousse. Dans cette présentation, je vais essayer en fait de présenter quatre pupitres ou des dashboards en fait qui peuvent aider les chercheurs à mieux se localiser dans un projet, faire le bon réseautage et bien choisir en fait les partenaires. Tout d'abord, je vais commencer par le dashboard Horizon. Par la suite, on va passer à un autre pupitre qui nous donne une idée sur les propositions engagées qui ont été clôturées ou qui sont engagées ou acceptées. Aussi sur le dashboard des projets financés, donc on va voir en fait l'aspect financement en fait des projets, comment on peut avoir une idée sur les financements qui ont été alloués par la Commission européenne pour financer en fait ces projets. Et vers la fin, je vais parler un peu du portail Cordis, qui est un portail, en fait, c'est une mine d'informations qui peut aider les chercheurs à mieux se localiser dans un projet et bien choisir, en fait, les partenaires. C'est quoi le dashboard Horizon? Donc, c'est un guichet unique, fréquemment actualisé et qui contient toutes les informations concernant les actions Horizon et toutes les autres actions et projets qui sont en cours, exemple Erasmus ou autre. Cette plateforme ou pupitre, comme on peut l'appeler, est dotée d'un outil web permettant d'effectuer des analyses visuelles modernes. Par exemple, nous pouvons effectuer des recherches de données. Nous pouvons aussi visualiser nos résultats de recherche, les résultats de recherche sur des cartes topographiques en temps réel. Et aussi, cet environnement nous permet d'effectuer du graphisme en exploitant des courbes graphiques modernes. Aussi, cette plateforme permet de faire un suivi en effectuant des analyses statistiques ainsi qu'une évaluation de ces analyses. Le dashboard d'Horizon permet aussi de délivrer aux futurs participants, que ce soit coordinateurs ou partenaires, dans des projets, que ce soit Horizon Europe ou Erasmus, des informations complémentaires concernant les propositions de projet avec des données détaillées sur les soumissions proposées, les financements européens demandés. Aussi, ce dashboard délivre une vue globale et une vue détaillée sur les projets en cours ou pas en cours, encore ouverts.
Aussi, la plateforme permet de donner des informations sur la pertinence et les profils des pays, par exemple, le nombre de projets par pays, même par structure et établissement. C'est-à-dire, on va voir tout à l'heure, quand on va faire une petite démonstration, comment on peut localiser en fait, les universités et même les institutions de recherche qui sont engagées ou qui ont participé déjà dans des projets. Et comme ça, on peut avoir une vue globale sur l'histoire de ces établissements dans la participation dans ces projets. Bon, comment accéder au dashboard d'Horizon? Ben, tout simplement, à travers Google, on peut mettre deux mots-clés, Horizon Dashboard, et automatiquement, on va se retrouver avec le dashboard ou la pupitre en fait, qui nous permet d'accéder directement à ce dashboard. Donc là, on va choisir RI Propose et automatiquement, on va accéder à ce pupitre. Donc, c'est un pupitre en fait, qui change en temps réel et là, qui nous donne une idée sur toutes les informations concernant les projets. Par exemple, là, on peut se localiser par une carte graphique par pays, c'est-à-dire on peut localiser le pays et automatiquement, là, on va se retrouver avec des icônes, des liens qui peuvent nous donner en fait une idée sur les projets dans lesquels, par exemple, un pays comme, par exemple, là, j'ai mis une petite recherche sur un pays, je crois que c'est le Maroc, je crois, et là, il me donne une idée sur ces projets. Donc, toutes les informations, on verra tout à l'heure, avec une petite démonstration, on va choisir un pays et on va se localiser dans ce dashboard. Voilà, donc par exemple, là, on peut se localiser. Là, j'ai un petit problème avec le pupitre. Donc, on peut agrandir en fait la fenêtre Applying Country by Region et automatiquement, on se retrouve avec tous les pays. On se retrouve avec les propositions qui ont été déposées au total par tous les partenaires dans les projets de la Commission européenne, les projets qui ont été acceptés, le financement éligible et le taux d'acceptation en fait des projets. On peut faire une petite recherche par pays et là, on peut choisir un pays. Par exemple, là, c'est la Tunisie, par exemple. Là, c'est 152 projets qui ont été proposés, 31 qui ont été acceptés, donc avec un taux d'acceptation de l'ordre de 20%, avec toute la somme d'argent qui a été allouée au projet accepté côté tunisien. On peut aussi faire une recherche par projet. Et dans ce cas, il faut choisir en fait l'autre icône. C'est-à-dire, on revient au dashboard Horizon, choisir le RI Project. Et là, avec le RI Project, là, on va faire un zoom sur par exemple, toujours on va rester sur la Tunisie, par exemple. Là, toutes les institutions qui ont participé et qui ont soumis et qui ont participé et ils ont eu des projets qui sont financés, acceptés et financés par la Commission européenne. Donc là, il nous donne par détail, par institution et aussi par localisation sur la carte topographique en fait, de la Tunisie. Donc là, il nous donne en fait tous les détails concernant les projets qui ont été acceptés. Donc là, en gros, par exemple, dans les projets Horizon Europe, il y a eu 28 projets acceptés avec la contribution de la Commission européenne de 7,72 millions d'euros, qui représente 0,03% en fait, de la totalité de la somme d'argent allouée par la Commission européenne pour tous les projets. 28 ont été signés et 34 en tout qui sont acceptés. Voilà. Là aussi, on peut faire une recherche par organisme aussi. D'accord? Et là aussi, on peut avoir des dashboards qui nous donnent une idée sur le financement en fait, de tous ces projets.
Voilà, donc on verra tout à l'heure en fait tout ça en temps réel. Directement, on va commencer par une petite démonstration sur le dashboard. Okay. Donc le dashboard, le dashboard en fait de l'horizon Europe, c'est le suivant. Donc on peut lancer la recherche par les deux mots-clés, horizon dashboard. Et automatiquement, on va se retrouver avec ce lien. Donc on va se connecter sur RI Proposer. RI Proposal, c'est ça. Et là, donc ça, c'est le portail. Et là, voilà le dashboard. Donc, il contient toutes les informations concernant les projets qui ont été soumis, acceptés et le financement qui a été alloué. Donc là, par exemple, sur Top Applying Country, donc on retrouve tous les pays qui ont participé dans des projets. Donc là, on va se retrouver avec tous les projets qui ont été, tous les pays qui ont déposé des projets. Donc en tout, il y a eu 473 727 projets déposés et 68 000 195 projets qui ont été seulement acceptés, avec un taux d'acceptation de l'ordre de 14%. Le financement, la contribution de la Commission européenne est de l'ordre de 823 millions qui ont été engagés dans ces projets. Par exemple, là, on peut faire une petite recherche ou cibler un pays bien précis. Donc, on peut revenir sur le dashboard. Et là, on va choisir, par exemple, par exemple, on va choisir par exemple France. On va choisir la France. Donc, voilà. Donc voilà tous les projets qui ont été financés, déposés, financés pour les établissements en France. Voilà. Donc il y a eu 92 projets proposés, 92 000 projets déposés, 17 000 acceptés avec un taux d'acceptation de l'ordre de 18%. Donc 72 millions d'euros engagés dans le cadre de ces projets. Voilà. Là, on peut aussi passer dans le dashboard, au dashboard de financement. Donc, pour ça, on va choisir le RI Project. Et là, donc j'ai déjà ouvert en fait. Voilà les projets, le dashboard en fait de financement des projets.
Voilà. Donc là, on peut cibler en fait les projets par programme. C'est-à-dire là, on peut choisir le programme, que ce soit du FP ou Horizon 2020 ou Horizon Europe. Par exemple, là, si on cherche en fait les projets dans le cadre d'Horizon 2020, ben, il suffit de choisir Horizon 2020, il y aura un filtrage. Et automatiquement, il va nous faire sortir seulement les projets qui ont été engagés dans le cadre de H20. D'accord? Donc là, on peut par exemple cibler un pays. Là, on va choisir par exemple le Maroc. Voilà. Donc le Maroc. Et là, je peux cibler le Maroc et là, j'aurai le dashboard en fait, qui me donne en fait, toutes les institutions qui ont participé dans le projet, ainsi que le financement qui a été alloué par la Commission européenne, les participants et le type de l'organisation. Voilà. Donc là, par exemple, au Maroc, il y a eu plusieurs institutions qui ont participé dans le projet, dans les programmes 2020. Voilà. On peut aussi faire un filtrage. Donc, si on revient au projet, project, donc je dois revenir à project, on peut aussi faire un filtrage par type d'action. Et là, c'est la partie la plus intéressante. C'est-à-dire là, on va cibler en fait des projets, des actions, un programme tout d'abord, par la suite le topic et aussi des actions. Par exemple, là, on peut, dans Top Topic, on peut choisir le programme. Par exemple, là, on va choisir le programme Horizon Europe. Donc là, il va faire un filtrage seulement sur les projets Europe. Le topic, donc là, il me donne. H20, donc je peux est-ce qu'il y a le H20? Donc j'enlève le H20, l'Europe, pardon, et je laisse seulement le H20. Voilà. Je peux choisir aussi le topic. Là, je peux choisir par exemple un topic dans ce cadre. Par exemple, là, le code du topic, par exemple le MSCA, Price. Voilà. Donc là, il va faire un autre filtrage. Voilà, donc là, c'est toujours dans le cadre du Maroc. Donc voilà, donc il y a eu dans ce cadre MSCA Arise de 2017, il y a eu 6 conventions qui ont été signées. Avec un total cost de 1 million. Donc, on revient dans l'autre. Donc, on a fixé en fait le topic et le programme. Et là, je peux avoir en fait quelles sont les institutions ou les projets qui ont été ciblés dans ce sens. Par exemple, là, il y a eu les. Attends, 5 projets, 5 ou 6, 5. D'accord? Et là, il nous donne en fait l'acronyme du projet, le financement alloué et les participants, les participants en fait dans ce cadre de projet, ainsi que le projet, le nombre, l'identifiant du projet qui peut nous aider par la suite dans notre recherche par la suite qu'on va faire sur la plateforme Cornice. Voilà. Là, c'est un petit exemple, une petite démonstration comment on peut localiser, que ce soit des partenaires, que ce soit des projets. Et avoir une idée claire sur ce genre de projet. Et ça nous permet en fait de faire un excellent réseautage et bien cibler le partenaire qui va que soit lancer le projet ou être un partenaire dans ce projet. Je reviens à la présentation. Donc là, j'ai. Est-ce qu'on a fait cette. Voilà, donc là, on peut par exemple faire un petit exercice tout à l'heure, si on nous reste un peu de temps, sur un appel, un call qui a été clôturé, c'est l'ICT
dans le cadre du H20 et CITI07 2018. On essaie de voir, en fait, pour la Tunisie, est-ce qu'il y a eu en fait, des projets qui ont été acceptés ou pour n'importe quel autre. Voilà, par exemple, pour la Tunisie, on peut lancer, par exemple, pour la Tunisie. Donc, il y a eu 14 projets qui ont été acceptés et ils nous donnent tout. Non, ça, c'est pour la France, dans le cadre, en fait, de l'ICT, je crois. 14 projets acceptés et ils nous donnent, en fait, une idée, comme on l'a fait tout à l'heure, pour nos marques. Le portail, maintenant, Cordis, qui est le plus important, en fait, portail pour la Commission européenne, il permet, en fait, de faire un réseautage. Il contient, en fait, toutes les informations nécessaires pour les gens en fait, qui veulent commencer ou entamer un projet. Donc, c'est quoi Cordis? Ben, Cordis, c'est le principal référentiel. C'est le principal référentiel et portail public de la Commission européenne pour tous les projets de recherche financés par l'Union européenne, ainsi que leurs résultats. Donc là, les résultats, ils sont disponibles depuis les résultats des projets qui ont été soumis et acceptés depuis 1990. C'est un service offert par l'Office interinstitutionnel des publications de l'Union européenne. La tâche de ce service est de mettre en place une stratégie de diffusion de l'information et de la documentation en jouant sur l'aspect vocabulaire, contrôlé, ontologie, taxonomie, données de référence et de gérer cette base à travers un portail de données ouvert, ouvert à tout le monde, en fait, sans passer par des inscriptions ou autres. Cordis compte plus de 115 000 projets en partant du FP1 jusqu'au projet au programme Horizon Europe. Notons que le portail a connu plusieurs modifications et surtout des changements dans sa stratégie de diffusion de l'information. En effet, au cours des projets FP4 jusqu'à FP7, le portail Cordis, en plus de la fonctionnalité de regroupement des projets de recherche européens, il était aussi une plateforme pour scruter les appels à projets à venir. Chose qui n'est plus disponible avec les projets H20 ou H-Europe, donc Cordis. Notons aussi qu'actuellement, il est possible de découvrir les résultats des projets de recherche, que ce soit par pays ou par organisme aussi. Ce qu'on peut trouver dans Cordis, il y a deux piliers principaux sur lesquels se structure le Cordis, ou la plateforme Cordis, c'est l'aspect données et l'aspect éditorial. Concernant les données, ils sont à accès ouvert et utilisables dans le cadre d'autres projets détenus par la Commission européenne. Côté éditorial, le Cordis se charge de partager toutes les informations concernant les projets de recherche financée par la Commission européenne, ainsi des produits multilingues et multiformats sont disponibles et facilement accessibles par les participants via résultat brief et résultat PAX disponibles dans le portail. On le trouve ou à travers le magazine Research EU, disponible et téléchargeable à travers Cordis. Les publics cibles, Cordis vise essentiellement les populations des entreprises, les chercheurs et les décideurs, ce qu'on ne trouve pas dans Cordis. Il manque un transparent. Ben, comment accéder à Cordis? Ben, comme le dashboard Horizon, donc il suffit de faire une petite recherche sur Google, Cordis EU Project. Là, directement, on trouve en fait un lien, portail Cordis, et là, on peut commencer
à scruter en fait toutes les informations concernant les projets acceptés, déposés et toute l'histoire en fait des projets. Donc j'ai mis en bas en fait le lien en fait de Cordis. Dans Cordis, il y a tout. Il y a les projets H20, il y a les projets, l'histoire des projets H20. Actuellement, il y a aussi les projets H-Europe, les projets FP7, il y a aussi les projets Erasmus. D'accord ? Donc là, directement, si on accède à Cordis, au portail Cordis, il nous divise vers un autre portail qui contient en fait la base de données. Qui Data Europe OE. Et là, dans cette base, ce serveur qui contient toute la base des projets européens, il suffit de commencer en fait à faire la recherche et cibler en fait le type d'information ou le data qu'on souhaite en fait télécharger. Par exemple, là, on va faire cette démonstration tout à l'heure avec Cordis. Il suffit en fait de lancer en fait les projets en fait, ou les datasets concernant H20, et là, il va nous dévier vers la plateforme en fait, Data Europe, et là, on peut télécharger toutes les informations concernant ces projets sous forme de fichiers Excel que je peux en fait, manipuler. Donc, voilà c'est ce genre de projet, c'est ce genre en fait, de fichiers qu'on va trouver, qui contient en fait toute la base des projets, par exemple H20, qui ont été acceptés en cours ou qui ont été clôturés. Voilà. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, par exemple, là, on va essayer de chercher le nombre de projets H20 dans lequel la Tunisie est partenaire, par exemple. Ou on peut commencer aussi par faire des recherches sur les mots-clés d'un projet en partant, en fait, de ce fichier Excel. Je vais faire une petite démonstration. D'accord? Donc, tout d'abord, je vais accéder, revenir. Partager. On descend celle-là. Donc voilà, ça c'est le portail en fait Cordis. J'ai lancé en fait la recherche par Cordis Fund. Donc je vais suivre ce lien Project and the Results et là il va me dévier vers ce site web Cordis Europa EU Projects. Donc il y a deux façons en fait. Par exemple, là, il me facilite la tâche en accédant directement à la base, que ce soit des projets Europe, H-Europe, H20 ou FP7. Ou bien, je peux lancer en fait, une recherche en fait, bien spécifique par mots-clés, par exemple Erasmus ou autre. Donc là, on va rester dans les projets H20, par exemple. H20, donc là, je vais accéder à l'histoire en fait, des projets H20 et essayer de voir le nombre des projets ou les projets qui ont été acceptés. Voilà les projets de 2014 jusqu'à 2020. Il y a toutes les bases, tous les formats de base en fait, que je peux télécharger et faire une analyse, essayer de faire une analyse, que ce soit sur Excel ou autre outil qui me permet en fait, d'extraire les informations pertinentes concernant les projets, les mots-clés des projets, les partenaires dans ce projet, les coordinateurs de ces projets et les liens qui me permettent en fait d'accéder aux résultats et aux rapports concernant ces projets. Par exemple, là, je vais chercher la base de ces projets. Par exemple, là, il me donne en fait tous les formats en fait que je peux en fait télécharger concernant les projets H20. Donc, moi, j'ai besoin en fait d'un fichier Excel qui contient en fait toutes ces informations. Donc, il y a Project, par exemple, là, Project, c'est en format JSON. Moi, j'ai besoin en fait d'un format exploitable, par exemple Excel, XLS. Donc les projets H20, tout simplement, on va commencer le téléchargement, download as. Donc là, il va me permettre de télécharger en fait ce fichier. Donc c'est un fichier, je l'ai téléchargé, j'ai mis en fait la dernière version qui a été mise à jour le 16/8/2023. Donc la taille, elle est de l'ordre de 73 mégas. Donc j'ai anticipé, j'ai téléchargé en fait ce fichier Excel, donc le voilà, il est où, voilà. Donc c'est un fichier Excel qui est compressé et qui contient en fait plusieurs autres fichiers Excel. Donc il contient en fait un fichier Excel concernant les projets,
des fichiers Excel concernant les organisations qui participent dans les projets et, par exemple, là, concernant en fait, les topics. Donc, les trois, par exemple, ces trois fichiers sont complémentaires. C'est-à-dire, on cible en fait le projet, on essaie de localiser en fait par mots-clés en fait les projets les plus susceptibles qui peuvent être intéressants de les consulter pour voir en fait les objectifs et de ces projets pour essayer de localiser en fait quels sont les partenaires qui participent. Et dans organisation, donc je peux avoir tous les détails concernant ces projets qui ont été localisés. Par exemple, là, je vais commencer par projet. Voilà. Voilà le fichier Excel concernant les projets. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ce fichier? Donc, on trouve en fait l'identifiant du projet. On trouve en fait l'acronyme du projet. Donc, tout d'abord, je vais voir en fait le nombre total des projets H20 qui ont été acceptés. C'est de l'ordre de 35 386, je crois, moins 1, parce qu'il y a la bannière. Projets qui ont été acceptés, qui sont en cours ou qui ont été clôturés. Donc, on trouve en fait l'identifiant du projet. Ça nous aide aussi à se localiser. L'acronyme, le titre, le statut, est-ce qu'il est clôturé ou en cours, ou non signé ou signé, déjà en cours de signature. La date de début, la date de la fin. Le type, donc c'est H2020. Le col, par exemple, là c'est le col dans lequel... L'action, les objectifs, et là on se retrouve avec un petit paragraphe en fait qui détaille en fait le projet. Voilà, donc les détails concernant le projet. Donc là c'est un petit texte en fait concernant le projet. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Le DOI. D'accord. Donc, tout ça, ce sont des informations préliminaires qui vont m'aider à localiser un projet. Ben, l'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire, à partir de ce fichier, j'aimerais bien, en fait, chercher des partenaires pour commencer à faire le réseautage. Supposons que je suis intéressé par un projet, j'ai des mots-clés. Ma spécialité, par exemple, là, je travaille beaucoup sur tout ce qui est imagerie ou tout ce qui est IoT ou intelligence artificielle ou autre. Bah, tout simplement, le seul issue, c'est de partir de la partie objectif. C'est-à-dire dans les objectifs, on peut trouver en fait des mots-clés. D'accord? Bah, tout simplement, on va commencer par sélectionner en fait la colonne objectif et entamer une recherche. Je ne sais pas, par exemple, on va commencer par, on va entamer une recherche par un mot-clé. Là, je suis en train de faire de la recherche sur l'IoT. Là, je lance en fait la recherche. Rechercher tous les mots IoT dans les objectifs. Voilà. Donc, il m'a fait sortir en fait 2889 cellules qui contiennent le mot-clé IoT. D'accord, 2800 à partir de 35 000 projets acceptés. Donc, il y a à peu près 2809, disons, projets qui contiennent en fait le mot-clé IoT. Comment je vais faire? Donc, je vais les localiser. Ben, tout simplement, je choisis en fait, je sélectionne en fait toutes les colonnes en fait qui contiennent en fait le mot-clé IoT. Et là, je vais changer leur couleur, par exemple, avec une couleur de remplissage jaune. Bah, toutes les cases en fait, qui contiennent le mot-clé IoT vont changer de couleur et vont virer vers une couleur jaune. Donc là, normalement, je dois avoir 2809 colonnes qui contiennent en fait, le mot-clé IoT. Par la suite, comment je vais faire? Je vais faire un tri
Et c'est un tri qui est personnalisé. Donc, je choisis en fait la colonne. Je vais faire un tri personnalisé. Voilà, je vais faire un tri personnalisé, trier par couleur de la cellule sur la colonne objectif. Non, je dois choisir en fait les... Non, je vais changer de méthode parce que ça ne marche pas. Je vais faire le tri à travers, ici en haut, par sélection, donc tri par couleur, voilà. Et là, il a regroupé en fait toutes les colonnes, en fait, tous les projets qui contiennent en fait dans la case objectif, le mot IoT. D'accord ? Tout ça, c'est... Donc, comment je vais faire par la suite? Je vais filtrer, je vais laisser, je vais enlever tous les autres projets qui ne contiennent pas en fait le mot IoT. Voilà. Donc, je vais faire un filtrage, filtrer par couleur, et je vais laisser seulement en fait les cases qui contiennent en fait une couleur jaune. Voilà. Donc en tout, normalement, je dois trouver 2800. Voilà, 2810, donc moins 1, c'est 2809. Donc tous ces projets dans la case objectif, les cases objectifs, leurs cases objectifs contiennent en fait le mot IoT. Par la suite, là, je commence à lire, donc c'est 2800, c'est beaucoup. Donc là, je commence à faire un autre filtrage par type d'action. Donc là, je vais choisir en fait seulement l'école, plutôt l'école. Je cible par exemple l'école seulement dans le MSCI, par exemple, MSCI, ou ICT, allez. Donc on va rester dans le MSCT, ICT 2020. Et là, il va me faire en fait un filtrage. Là, je commence à cibler en fait des projets bien précis. Là, je peux aussi faire un autre filtrage sur les projets clôturés ou qui sont en cours. Donc là, ce sont des projets qui ont été signés, non clôturés, sur le budget, sur le type en fait des fonds CSA. Donc, je vais choisir des RIA. Voilà, donc là, je commence à filtrer et cibler en fait des projets. Dès que j'ai une base en fait restreinte et bien ciblée, là, je passe à chercher en fait à faire une étude approfondie sur les partenaires. Par exemple, là, je vais partir en fait, par exemple, sur ce projet IoT, NGN, je vais choisir ce projet. Et là, je mute vers sur le fichier Excel Project. Voilà. Et là, je peux faire un filtrage, encore une fois, sur le projet. Donc, là, c'est un projet qui contient en fait l'acronyme IoT, qui commence par IoT. Comment il s'appelle le projet? IoT. J'ai oublié le nom du projet. Organisation. NGN, je crois. Tu as dit Khaled. Oui. NGN. Oui, oui. Attends. Ah oui, là, je rappelle que c'est ça. Là, je suis où ça? Allez, projet. Je vais faire là. IoT. Trop lent. IoT. Tirer, je crois. Non. Tirer. Voilà, NGN. Voilà. Donc, j'enlève l'autre. J'enlève celui-là.
Et là, je reste sur ce projet. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me fait sortir? Donc, l'ID en fait, du projet, l'identifiant, il est là. Donc, pourquoi il me fait sortir plusieurs lignes? Il va me faire sortir en fait, tous les partenaires, ainsi que le coordinateur, bien sûr, dans ce projet. Donc, en tout, il y a 24 partenaires dans ce projet. D'accord? Donc, il y a des Espagnols, des Finlandais, des Français, des Espagnols, Dutch, des Allemands, etc. Et là, il peut aussi me faire sortir le rôle. D'accord? Par exemple, là, si je cherche en fait le coordinateur, il est là. Donc, c'est un Français. C'est une université, je crois, qui coordonne le projet. Il me donne aussi une idée sur le cost, la géolocalisation, pardon. La géolocalisation. L'identifiant du coordinateur, etc., etc. Donc, j'ai toutes les informations et là, je peux commencer à faire ma recherche sur ce partenaire et commencer à faire le réseautage, commencer à entrer avec ce partenaire, essayer de voir aussi quels sont les projets en fait, dans lesquels il est partenaire au coordinateur, la somme totale de participation. Et là, on peut muter vers le dashboard Horizon pour voir en fait, toutes ces informations concernant le financement de ces projets. Voilà, là, c'est un petit exemple, une petite démonstration. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi avec le Cordis, avec le fichier Excel qu'on vient de consulter. C'est un fichier en fait, qu'il faut toujours en fait, mettre à jour, qu'il faut toujours aussi télécharger en fait, la dernière version. On a fait ça avec le H20, on peut faire ça avec Erasmus, on peut faire ça avec H-Europe, avec les FP7, pour bien localiser et bien visualiser en fait, toutes ces informations. Bon, pour avoir une vue globale, donc là, on a ciblé le H20 pour voir en fait comment on peut se localiser, s'auto-localiser en fait dans un projet. On peut aussi cibler un partenaire et voir en fait toutes ces informations, que ce soit avec Erasmus, H-Europe, avec tous les programmes qui ont été qui sont en cours, qui ont été clôturés. Donc pour ça, il y a donc Cordis, une autre possibilité, c'est d'utiliser en fait la carte topographique. C'est comme l'Horizon Europe. Donc là, voilà, c'est le portail Cordis qui nous permet en fait de faire une visualisation des données sur une carte. D'accord? Et pour ça, donc, il suffit en fait de revenir sur la page Cordis et choisir en fait Data Visualization. Donc, on va revenir sur Cordis. Voilà. Voilà. Data Visualization, Explore and Discover Collaborative Network of Organization. Donc, il suffit de cliquer sur ce lien, elle est là, voilà ce lien, d'accord? Et là, je peux entamer une recherche simple sur une carte. Par exemple, là, je peux choisir une université, que ce soit, donc là, c'est une carte. Et là, ça me donne en fait la topographie en fait, de tous les projets qui sont en cours ou qui ont été clôturés dans le monde. Voilà. Là, je peux faire des zooms. Et là, dans le monde, par zone, je peux localiser en fait par zone. Par exemple, là, je peux choisir, par exemple, Paris 6, par exemple. Allez. Paris 6. Je vais choisir une autre université, Carthage, par exemple. Carthage. Ou l'École nationale d'ingénieurs de Carthage, allez. Voilà. Il me donne en fait la localisation géographique en fait de l'université.
Session, voilà, Carthage. Voilà. Donc, l'Université de Carthage, elle a un projet qui est en cours, je crois. C'est Ruralitis. L'avantage de cette plateforme, il me fait l'aspect réseautage, en fait, avec l'École d'ingénieurs de Carthage, avec les autres institutions. Donc, tout ça, c'est avec les autres institutions, donc à l'échelle mondiale. Alors, je peux voir, en fait, comment les collaborations de l'Université de Carthage dans le cadre de ce projet. Donc, le lien qui est en bleu, c'est le réseau qui est formé, c'est le lien avec les autres universités. Voilà. Là, c'est très intéressant. Ça me donne une idée globale de chaque institution que je souhaite, en fait, entrer en contact avec elle ou l'appeler pour accéder à un projet ou participer dans un projet dans lequel elle participe déjà. Voilà. Je reviens à la présentation. Voilà. Voilà, merci. Donc, j'ai terminé. J'espère que ça a été… Bon, c'était bref, mais bon, j'ai donné en fait l'essentiel. Je vous encourage à essayer en fait de commencer à toucher un peu en fait ces plateformes, ces dashboards. J'ai mis dans les transparents en fait les liens, comment faire et commencer à jouer. C'est un jeu. On commence par un jeu et par la suite, la finalité, ça sera un projet qui sera monté, bien ficelé, parce que le réseautage, c'est l'étape en fait la plus importante, sachant que pour l'évaluation d'un projet, l'aspect réseautage, il entre en jeu et normalement, il y a des partenaires potentiels que je peux les solliciter pour accéder, pour participer dans des projets et qu'ils auront en fait une possibilité ou une chance très grande que le projet soit accepté avec ses partenaires ou ses coordinateurs. Donc, merci beaucoup et voilà. Merci. Merci, professeur Krald, pour cette excellente présentation pratique. Je dis bien pratique parce qu'à un moment donné, il faut passer aux choses concrètes. Donc, comment vraiment aller exploiter une source de données qui est gratuite et open, accessible à tout le monde, et pouvoir, à partir de ces données-là, extraire les données pertinentes sur les partenaires, sur les acteurs clés autour d'une thématique ou bien une autre. Donc, je pense qu'on a énormément de questions. On va tout de suite aller vers la session questions-réponses. Et puis, on va essayer de lire ensemble s'il y a des questions vers l'AEF, il y a des questions, autres questions pratiques. Et puis, on va autoriser 3 à 4 questions pour ceux qui veulent poser directement la question, on va autoriser ça. Merci de lever vos mains si vous avez des questions bien particulières. Donc, on vous attend. Mais puis, directement, je passe à la lecture du chat. Et puis, je vais essayer s'il y a des choses qui méritent plus d'éclaircissement. Alors, donc, bonjour, c'est vraiment très intéressant. Je vous suis depuis chat, étudiant en chimie à l'Université de Mondou. Enchanté, bienvenue. Frédéric, bien, bonjour à tous. Frédéric, bonjour à tous. Je suis Dr. Gay, enseignant-chercheur au département de sciences techniques à l'Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. Heureux d'être là et très intéressé par ce webinaire qui est le premier pour moi avec EurAccess. Donc, on vous invite de nous joindre officiellement et participer à toutes les actions qu'on est en train de mener et d'organiser. Bonjour, comment un chercheur d'une institution universitaire non membre de l'AEF pourra-t-il bénéficier de ces services ou bien offres, notamment les fonds d'incubation? Donc, professeur Autre, je vous laisse le soin, peut-être pour répondre. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Alors, absolument toutes les universités, et j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur les ONG, les associations, la société civile, les sociétés savantes, ou toute autre forme d'autres types d'associations sur lesquelles il peut y avoir un impact
si, enfin une démonstration et un potentiel de démonstration sur la société civile, un effet sociétal sur le type de recherche qui a été engagé, sont les bienvenus dans cette, dans ces appels. Donc, aussi dans nos appels, puisque nous avons, d'une certaine façon, repris des conditions de l'appel, des appels européens à nos appels. Alors, je voudrais être bien, il faut faire très attention entre le niveau administratif, financier, budgétaire de la coordination et d'avantage du fait d'être membre de l'AUF, du niveau de la capacité à entrer dans des consortiums et à générer ces consortiums. Bien sûr que vous pouvez être dans des consortiums et bénéficier des fonds. Si vous n'êtes pas une université membre de l'AUF, absolument, mais seulement le seul responsable et le seul ordre, parce que c'est l'avantage que nous donnons à nos membres, c'est que ce soit lui le coordonnateur, c'est que ce soit une université membre de l'AUF qui soit officiellement la coordonnatrice parce qu'elle a le mandat, elle a l'obligation, elle a la redevabilité et nous avons, nous, des obligations aussi, des droits et des obligations réciproques du fait d'être membre. Voilà. Merci, Ahmed. Merci beaucoup. Merci, Madame Onfa. On passe à une Est-ce que je peux en profiter, Ahmed? Je suis désolée. Je dois vraiment vous quitter parce que je suis engagée dans autre chose. Est-ce que vous m'autorisez à le faire? Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, s'il y a des requêtes et des questions, donc on va certainement les échanger ensemble. Et donc, merci encore une fois pour d'être là avec nous. J'espère qu'on aura d'autres collaborations et d'autres occasions de se voir et de travailler ensemble. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Je suis un acteur associatif consistant en migration, dirigeant d'un syndicat de travailleurs immigrés ici au Maroc. Je voudrais savoir si la question de migratoire qui est mon domaine peut faire aussi partie des projets pour lesquels on peut se missionner. Voilà, je vais prendre directement cette question-là. Oui, absolument, oui. Il y a énormément de projets en lien avec la migration qui ont été déjà financés par la Commission européenne. Et donc, je vous invite vivement à utiliser la plateforme Cordis, à utiliser les mots-clés, chercher les projets qui ont été déjà financés et voir aussi dans le pilier 2 d'Horizon Europe. Donc, il y a certainement des projets en lien avec ça. Donc, oui, la réponse est oui. Et on pourra échanger, si vous voulez, même par mail, si vous voulez avoir plus d'informations concernant les liens des appels à projets ou bien les projets qui ont été financés. Alors, on a Ahmed Barli. Bonjour à tous. D'où ce que vous avez téléchargé ce fichier? Donc, professeur Kral, il parle apparemment du fichier Excel. On entend rien, c'est Kral. Si vous pouvez, voilà. Voilà, pardon. C'est au niveau du portail Cordis, en fait. C'est-à-dire, dans le portail Cordis, il y a un lien qui nous permet, en fait, de se connecter sur la base de données en fait de Cordis, c'est data.europa.eu. En bas, il y a le fichier Excel, le lien du fichier Excel. D'accord, très bien. Alors, une autre question. Il m'a semblé que les universités sont les seules concernées. Les ONG peuvent-ils aussi trouver des partenaires? Oui, bien sûr. Parce que, en fait, dans les projets H2020 ou bien le projet Horizon Europe, non, actuellement, toute entité légale peut participer et peut être membre d'un consortium. Donc, non seulement les universités, mais aussi les acteurs dans le système recherche innovation, y compris les ONG. Alors, bonjour, est-il possible d'avoir l'enregistrement? Oui, l'enregistrement il sera disponible dans la même page de l'enregistrement de la page de cet événement-là dans la plateforme Access, donc à partir de demain.
Alors, merci pour ce webinaire, merci, intéressant. Peut-on trouver des partenaires pour l'équipement de laboratoire d'un nouveau département scientifique? La dépend du projet, réponse, hein. Oui, parce que là, c'est, on parle de financement de projet, mais pas un financement d'équipement. Peut-être il y aura une partie du budget consacré pour, non, ce n'est pas de l'achat de l'équipement, mais pour l'utilisation d'un matériel au profit de projet. Et donc, et là, la Commission européenne, elle va financer l'équipement tout au long son utilisation dans le cadre du projet. C'est possible. Il y a aussi, ce sont des questions budgétaires, peut-être qu'on va essayer de organiser un webinaire dédié pour tout ce qui est aspect financier, aspect légaux de participation dans le cadre des projets. Alors, bonjour, comment avoir un répondant? Je n'ai pas compris la question. Voilà, je vous suis depuis le Cameroun en tant qu'étudiante en deuxième année master en santé publique à l'université. Alors, catholique de l'Afrique centrale, est-il possible de trouver un thème de recherche pour son mémoire? Oui, bien sûr. Oui. Là, il faut faire la veille et voir les opportunités qui sont là. Et oui, donc, c'est toujours possible. Comment avoir un répondant par la plateforme CODIS, on a identifié un partenaire et on veut construire un projet avec? La plateforme CODIS, elle permet de vous donner les contacts. Donc, après le scénario déjà effectué par notre collègue professeur Hall, donc à partir de la recherche d'un mot-clé, on a identifié le coordinateur, on a identifié les membres du consortium. Donc, vous aurez les informations sur ce partenaire-là et à partir de ce moment-là, vous pouvez entrer en contact direct avec lui parce qu'il y aura les emails et les contacts. Alors, bonjour, je suis Boukha de l'université Norbert Zongo à Burkina Faso. Je n'ai pas compris comment la recherche des projets en cours ou terminés peut aider au réseautage. Professeur Hall, si vous voulez prendre en charge cette question. Oui, c'est très important. En fait, c'est la première phase, c'est-à-dire chercher un partenaire. Et dans l'évaluation d'un projet par la Commission européenne pour le valider ou le refuser, généralement, il y a une grande rubrique qui concerne en fait les partenaires, l'histoire des partenaires. Et il me semble qu'un partenaire ou un coordinateur qui a beaucoup de projets, qui a coordonné beaucoup de projets, il a plus de chances, en fait, s'il participe dans un projet, que le projet soit accepté. Et là, c'est très important de bien cibler en fait, le bon partenaire ou le bon coordinateur pour pouvoir, en fait, pour pouvoir en fait avoir un projet qui est déjà accepté. Donc, c'est la première phase, c'est une phase primordiale, très importante, qu'il faut le faire, qu'il faut bien la ficeler et bien choisir son partenaire ou coordinateur. Voilà. Oui, absolument oui, parce qu'on doit chercher les partenaires ou bien les organisations qui ont déjà de l'expérience dans les projets. Si on veut, voilà. Et si on veut maximiser les chances que notre projet soit accepté, on doit entrer en contact avec les organisations qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. C'est pour ça, CODIS, c'est une mine d'informations qu'on doit utiliser. Alors, est-il possible d'envoyer le recording? Oui. Merci de cette séance d'information. Ma question est la suivante. Est-ce que les ONG sont éligibles au financement? Oui, absolument oui, parce que j'ai dit bien, toute entité légale, je dis bien légale, peut participer dans nos projets à condition qu'on doit justifier sa participation. C'est-à-dire l'expertise de cette ONG correspond très bien aux activités ou bien aux tâches qui ont été attribuées à cette ONG. Alors, je suis ornithologue, j'étudie la migration des limicoles. Peut-on trouver des partenaires pour le renforcement des capacités dans le bagage des oiseaux? C'est un peu une question bien précise, mais je dis bien que ce sont des plateformes qui sont à votre disposition. Donc, il fallait peut-être de jouer un petit peu, chercher jusqu'à trouver donc,
les organisations qui ont déjà de cette expertise-là. Merci, mais I mean the dashboard. OK. Est-ce qu'on peut trouver également le contact d'un partenaire ciblé? Oui, bien sûr. Oui. Sur cette base de données. Alors, très en bien. En partant du projet, c'est-à-dire chercher en fait les partenaires. Oui, exactement. C'est le contact. Mais, et il n'est pas sur la base, non. Cette recherche, elle doit se faire, c'est-à-dire en cible en fait le partenaire, l'université. On peut avoir le nom en fait du coordinateur côté, par exemple, université, et on fait le retour inverse. Oui, c'est clair. Si on va trouver, par exemple, l'université de Sapienza en Italie, c'est clair qu'on voilà. va entrer sur le site de Sapienza et puis on peut entrer en contact. Voilà, c'est ça. C'est clair. Oui, très bien. Donc, maintenant, on a 4 questions. On va les prendre toutes. On va commencer par Boukale, puis Mazou, puis Martial, puis Kouamili. Donc, on commence par la première question. S'il vous plaît, essayez d'activer votre micro et poser directement la question. OK, merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis très content d'avoir participé à ce webinaire parce que personnellement, ça me permet de m'introduire un peu la façon dont il faut commencer pour chercher des partenaires et enfin d'avoir des financements parce que vraiment, et nous en avons vraiment besoin pour mener la recherche. Souvent, on utilise ici le maigre salaire pour pouvoir se débrouiller. Ce n'est pas du tout simple. Donc, en réalité, moi, ma question, c'était... Bon, la première question, j'avais déjà posé dans les questions-réponses. Mais la deuxième, maintenant, c'est... Est-ce que à l'étape actuelle, donc à l'instant où nous sommes en train d'échanger, est-ce qu'il y a des liens de projets, d'appels à projets, où on peut regarder, surtout dans le domaine de l'énergie, de parler des énergies renouvelables, pour ce qui me concerne. D'accord. Merci beaucoup. Bien sûr que oui, parce que le programme Horizon Europe, c'est le plus grand programme de la Commission européenne, un budget qui est plus ou moins 15 billions d'euros. Le programme a commencé en 2021 et il se termine en 2027. Et là, si vous allez voir la plateforme Funding and Tenders Opportunities, il y a des appels à projets sur plusieurs thématiques. Il y a des appels à projets sur l'énergie renouvelable, certainement oui. Et donc, peut-être que à la suite, je vais vous transmettre le lien direct pour voir les appels à projets qui sont ouverts. Bien évidemment, vous pouvez participer au nom de votre organisation parce que ce sont des projets collaboratifs, ce ne sont pas des projets individuels. Vous devez participer avec votre organisation, au nom de votre organisation. Je rappelle bien aussi qu'il y a l'initiative Afrique 2. Il y a plusieurs webinaires que nous avons organisés dans Euraccess. Dans l'initiative Afrique 2, il y a des appels à projets spécifiques pour l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la participation des organisations africaines, elle est obligatoire. Et donc, les partenaires européens, eux-mêmes aussi, cherchent à embarquer dans leur consortium des partenaires venant de l'Afrique, bien évidemment, parce que ces appels à projets visent entre autres l'Afrique et la collaboration entre l'Europe et l'Afrique. Donc voilà, oui, la réponse elle est oui. On passe à la deuxième question. Donc Mazou. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci de nous permettre de découvrir vraiment un réseau très élargi. Dans le monde entier, en question de réseautage et de recherche de financement. Ce fut réellement un réel plaisir, franchement, de pouvoir participer à cela. La première question était déjà répondue par rapport au fait que est-ce que les ONG également peuvent trouver et, également des partenaires. Et, oui, j'ai trouvé ma réponse là-dedans. Mais la seconde, celle qui reste encore dans ma tête là, c'est... Oui. De savoir est-ce que
Parce qu'en fait, au sein, moi, c'est une, je suis une ONG naissante, d'accord, entourée vraiment de rien que de des universitaires, mais on est confronté à un petit, je dirais, problème à chaque fois que on postule à un certain nombre d'appels. C'est la question de comment dirais-je de l'expérience, voilà. De l'expérience. Comment pouvez-vous nous aider à dépasser ce cap-là? Parce que je me dis, si déjà pour un ensemble de chercheurs qui n'ont jamais eu d'expérience, d'accord, qui n'ont jamais gagné de projet, postulent à des choses qui, et on leur demande un certain nombre d'expériences. Et ça cause un véritable problème. Comment est-ce que, selon vous, ce problème-là peut être résolu? Okay. Voilà, c'est, okay. Voilà. OK, merci pour la question. Il y a en fait deux aspects. Dit que il y a les projets collaboratifs, il y a les projets individuels. Par exemple, si on va prendre Horizon Europe, il y a le pilier 2 qui est axé sur les projets collaboratifs. Donc, on parle des organisations qui participent au projet, non des individus. Bien sûr, ce sont des individus qui vont travailler, mais au nom de leur organisation. Et organisation, c'est-à-dire laboratoire de recherche, université, ONG, entreprise, ministère, entité légale, de façon générale. Bien sûr, là, c'est clair, si l'organisation n'a pas d'expérience et elle veut s'embarquer dans des projets, elle va tout d'abord être proactif, elle met en place une stratégie de veille et elle soigne bien sa visibilité. Et à partir de ce moment-là... Non, je vous apprends, ça peut aller. Oui, Mazou? Oui, je vous suivais. Oui, alors, et à partir de ce moment-là, on augmente les chances de d'entrer en contact avec d'autres organisation, d'augmenter la chance de la mise en réseau afin d'intégrer le premier projet. Mais à partir de la première participation, certainement, on va ouvrir la porte pour d'autres participations. C'est la même chose pour la participation individuelle. En tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, tout d'abord, il faut être proactif. Il faut soigner sa visibilité. Il faut participer aux événements tels que cet événement d'aujourd'hui pour avoir un maximum d'informations. Il faut manipuler, chercher et essayer de soumettre la candidature. Je prends l'exemple d'EuroAccess. La plateforme, elle est pleine, je dis pleine d'opportunités. Actuellement, on est à 10 000, plus que 10 000 positions de travail disponibles en Europe. Et elle est accessible à toute entité et à tous les chercheurs venant de l'Afrique aussi. Donc, à partir de ce moment, il faut faire donc, l'application, faire un très bon CV, soigner sa visibilité en tant que chercheur, soigner sa visibilité, essayer de publier aussi. Si vous êtes un chercheur, il faut être actif dans la recherche et puis candidater pour la première fois, la première ça marche pas, la deuxième ça marche pas, la troisième va marcher. Mais à partir d'une réussite, on peut bâtir d'autres réussites certainement. Voilà, ce sont les conseils que je donne. Ils sont valables. Personnellement, j'ai bien rencontré beaucoup de chercheurs venant de beaucoup de pays en Afrique et on a échangé sur la même histoire. Et croyez-moi qu'il y en a ceux déjà qui sont installés déjà en Europe pour suivre pour participer dans un projet pendant une ou bien deux ans et retourner ou bien rester là. Voilà, donc la troisième question, Martial, s'il vous plaît. Franchement, merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup aux organisateurs. Oui, je sais que j'ai participé quand même à beaucoup de webinaires qui ont été organisés par EuroAccess. Et je considère aussi que ces webinaires nous ont permis d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup d'informations.
par rapport aux différentes activités, particulièrement dans le cadre de la recherche. Ma question est axée sur l'expérience. Quand on est un enseignant-chercheur et qu'on n'a pas eu l'opportunité de participer à des réseaux, est-ce qu'on peut bénéficier d'un accompagnement de EurAccess pour faire une immersion dans un réseau permettant d'acquérir un peu d'expérience avant d'aller dans le sens du réseautage? Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci pour le témoignage tout d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on donne en termes de service? En termes de service, bien évidemment, on fait ces actions-là en ligne qui sont accessibles à tout le monde, mais aussi il y a, on publie pratiquement chaque jour une, deux opportunités offertes aux chercheurs africains. On peut vous aider, bien évidemment, à travers l'information, parce que vous allez recevoir l'information pertinente qui vous consacre. On peut vous aider si vous cherchez à entrer en contact avec d'autres, par exemple, collaborateurs à travers le réseau. N'hésitez pas à envoyer une requête bien claire et si c'est possible de la prendre en charge, on va la prendre en charge. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais je reviens à dire qu'il faut être proactif en tant qu'individu. Il faut avoir la veille. C'est bien de suivre ces webinaires. C'est bien aussi d'enrichir son CV. Juste à titre d'information, vous allez recevoir, tous les participants vont recevoir un certificat de participation et je souhaite bien que vous allez ajouter ce certificat aussi à vos CV. C'est important aussi d'avoir la connaissance sur la mise en réseau. Ça enrichit le CV. Et bien sûr, préparez bien pour envoyer vos candidatures aux différents postes qu'il y en a. Il y a des postes qui sont ouverts pour 2-3 mois, il y a des postes pour une année, il y a des postes pour 3 ans, il y a des postes avec salaire, il y a des postes avec une prise en charge totale. Donc, il y en a partout selon votre thématique de recherche. Donc, j'espère bien que j'ai essayé d'apporter quelques clarifications. Et pour finir, donc, on passe à la dernière question de Kwame V. Please, Kwame V, si vous pouvez ouvrir le micro. Merci beaucoup, merci vraiment pour l'opportunité qui nous a été donnée de suivre cette formation en recherche de partenaires et mise en réseau. Je suis docteur Segbea Kwame V et depuis l'Université de Kara au Togo. Okay. Moi, je voudrais peut-être m'adresser un peu plus particulièrement à l'AUF. Et ça fait déjà 2 ans que nous sommes en train de travailler sur un projet à soumettre dans le cadre du programme européen. Et nous l'avons soumis une première fois et nous avons obtenu un score de 45 sur 100. Et on nous a fait donc des commentaires pour améliorer notre projet. Mais le problème que nous avons actuellement, et c'est que nous travaillons à distance. Tous les partenaires sont chez eux dans leur pays et nous travaillons à distance. Et ce qui fait que l'agenda des uns et des autres ne permet pas au fait de travailler en temps réel. On arrive à faire quand même des réunions, des webinaires, mais il me semble que pour que notre projet soit encore beaucoup plus bien rédigé avec la prise en charge de tous les aspects, il est possible que les experts puissent se retrouver peut-être en présentiel pour faire un tel travail. C'est peut-être mon point de vue. Et je voulais savoir, est-ce que dans ce cadre-là, l'AUF a-t-elle un mécanisme d'appui pour regrouper les enseignants chercheurs à rédiger donc les projets européens. Merci. OK, merci beaucoup et enchanté de votre participation avec nous aujourd'hui. Bien évidemment, professeur Olfa, la directrice de l'AF n'est pas avec nous maintenant, mais, mais je vais transférer la requête. Mais ce que je connais très bien,
que aussi l'AEF elle organise beaucoup d'actions et beaucoup aussi d'activités en lien avec le réseautage et le renforcement de capacités. Ceci ne concerne pas uniquement l'AEF, mais parce que ça concerne le montage des projets d'une façon générale. Donc, un conseil de ma part, c'est ne rater aucune action en lien avec le montage de projet. Donc, s'il y a une action en ligne ou bien en présentiel dans laquelle il y a un renforcement de capacité en lien avec le montage de projet, n'hésitez pas à participer parce qu'à un moment donné, tous les projets sont, il y a une partie commune. Bien sûr, il y a quelques critères d'éligibilité et quelques caractéristiques, c'est clair, d'un mécanisme à un autre. Mais la logique projet, elle est la même. En ce qui concerne Air Access, nous allons organiser très bientôt aussi un webinaire sur le renforcement des capacités dans le montage de projets et spécialement dans les work packages génériques, comme le work package management, le work package communication, dissemination and exploitation, et le work package quality. Comment bien rédiger les work packages génériques classiques qu'on trouve dans tous les projets. C'est un webinaire de capacity building qu'on va faire très bientôt. Restez connectés avec nous. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question, mais de tout de même, je vais transférer la requête à l'AEF. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. On a dépassé la limite parce que c'est prévu 1h30, on est pratiquement à 2h. Je profite de cette occasion pour donner peut-être le mot de la fin à notre cher invité, professeur Khaled Ben Khalifa, qui est maître de conférence de l'Université de Sousse et membre actif de la cellule d'ingénierie de projet de l'université. Donc, professeur Khaled, le mot de la fin avant de clôturer le webinaire. Merci. Merci, Ahmed. Merci à tous les participants dans ce webinaire. J'espère que l'information a été fluide et je vous encourage vivement de commencer à jouer avec les dashboards. C'est la première phase. Cibler en fait le bon partenaire et commencer à rédiger avec lui en fait le projet. Bonne chance. Et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, bye bye. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Vous allez recevoir votre certificat de participation d'ici demain. N'hésitez pas à partager ce certificat. N'hésitez pas à fêter votre participation. Ceci entre aussi dans le réseautage. C'est très important. N'oubliez pas de mentionner Air Access Afrique dans vos posts. Et à très bientôt. Bye bye. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Merci. 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 Au revoir. Bye bye.